Ça aide à toute la vie. Ah, ça n'a plus le problème. C'est lui qui donne. Parce que monsieur, je pense que c'est lui. Oui, allons-y. Maintenant, je suis allé pour m'entendre qu'il veut tuer mon papa. Maintenant, quand il est témoin là-bas, il dit non que mon papa, quand il est venu à lui, ce que eux, ils voulaient détruire avant, mon papa les a sauvés. Donc, eux, ils ne vont pas les laisser. Ce que mon papa a sauvé dans la prière, c'est eux que eux, ils avaient dit, quand on doit les tuer, puis mon père l'a sauvé. Donc, après ça, on est métier toujours. Pour que comme on appelle l'attaque, et puis on l'attaque aussi. Le trône où on est là, le monde, c'est dans un arbre. L'arbre là n'est pas loin de la maison. Avant, il était dans un cocotier. Le cocotier n'a pas pris ça. Là, c'est un arbre. Un arbre d'acacia. Là, il y a une maison inachevée. C'est là-bas qu'on fait les ventes. Et tous les sorciers, même des quartiers, même. C'est un marché. Vous vendez la chair humaine. Toi, tu aimes quelle partie de la viande? Pourquoi on découpe souvent, on me donne cuisse. Ça donne pas de moins d'être d'avoir la bonne chair. C'est gigot. Et la viande là. Il y a ceux qui vont à l'école, Jérémy, tous ceux qui vont à l'école. Ils ne vendront rien, c'est ça? Tu vas gâter de bons vêtements scolaires. Ils ne vont pas donner quelque chose. C'est sorti même à l'école. Non, c'est pas l'école. Laisse appeler les sorties à l'église. Oui, c'est ça. C'est toi qui es d'être. C'est pourquoi je vais écouter. Parce qu'elle est sortie après. Petit, tu as un passeport? Ça date de combien? Hein? J'ai fait un passeport. Puis on va voir ça. Parce que c'est quelqu'un qui va signer les. Quand tu vas réussir dans le football. Ouais. Comment va le passeport? Quel niveau de passeport on va dans ça? Si tu as des milliards, n'oublie pas le porter. Maintenant, on veut construire tant. On veut construire temps pour attraper les sorciers et les délivrer. C'est quelqu'un qui l'a rivalité dans le football. Amen. Amène-moi le passeport, d'accord? Fais le passeport, tu m'amènes. Et puis on va régler les choses à huis clos. Et ça va marcher pour toi. Amen. Et allons-y, petit. Mm-hmm. Et tu couches à ta maman? Oui. C'est ton jeu? Oui. Je crois que je demande de faire pour affaiblir sa vie, des prières. Pour affaiblir ta maman. Pour ne plus qu'elle prie trop, soit trop dans la chair, soit plus trop dans les prières, soit trop dans les prières, soit trop dans les prières. Ce n'est plus. Elle peut être plus attention à la prière, non. Elle affaiblit sa vie des prières. Donc, il doit demander maintenant de tuer ton papa cette année. C'est la mission de cette année. Sinon, sorcier va voir, c'est comme chien. Tu dis, Milou, viens, t'es là, il faut garder. Je m'en vais au marché. Tu vas pas manger?
même s'il est le chien le plus dressé de la planète Terre. Mais l'homme bien joué, vous connaissez ça, non? Pas même l'homme là, tu passes près de ça, tu es tenté. Quand tu parles près de Choubouya, tu es tenté. Après, voilà, tu dis Choubouya, il faut garder, tu as compris, il va te dire, il faut garder bien. À ton retour, chien mange. C'est comme sorcier. On lui dit de donner Choubouya, il a dit non, c'est malade ou bien. Et donc, comme ça, tu as échoué ta mission. Voilà, c'est la chose qui doit sortir. Tu as échoué. Sinon, quand tu dis tu, toi tu sais. Mais comme il y a la grâce de Dieu sur lui, tu échoues. Donc tu as tenté plusieurs fois. Et quand tes parents mangent des pisses pour les embouter. Comment? Hey! Comment? Maudit ta présence dans ces corps. La puissance de Jésus. Détruis ton pouvoir. Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Allez! Le feu sur toi. Tu m'attends? Le feu, depuis ta tête jusqu'à les plantes de tes pieds, le feu consume la présence de ce corps. Manifeste-toi et quitte ce corps dans le nom de Jésus. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Manifeste-toi et tout ça dans le nom de Jésus. J'explique le principe. J'ai toujours dit, quand un sorcier part, ok, ils sont là-bas aveugles, n'est-ce pas? Il va tout dire. Mais il n'est pas délivré de la sorcellerie. Il n'a fait que faire les. C'est ce qui est en lui. C'est ce démon-là. C'est le démon de la sorcellerie. Quand il finit de parler, ok, il a tout dit. Il faut le délivrer. Si l'esprit n'est pas parti, malgré ses milliers d'aveugles, sincère qu'il est, en faisant des aveugles, ça ne le délivre pas. Vous allez voir, c'est les mêmes choses. Il va reprendre, on a l'impression qu'il ne change pas. On n'a pas délivré. On n'a pas eu cette capacité de chasser les démons de son corps. Or, ils sont animés par un esprit. C'est les démons qui les animent. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable qui anime le corps. C'est-à-dire l'esprit. Le corps est comme une enveloppe. C'est une enveloppe où un esprit vient loger. C'est ce que la Bible dit. Soyez, notre corps est le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est un lieu d'adoration. Où Dieu vient, où il est honoré de par notre vie de chaque jour. C'est ce qu'on appelle temple, la présence de Dieu. Or, si le corps n'est pas temple de l'esprit, il devient un atelier de Satan. Amen. Vous m'avez bien saisi. Donc, c'est pour ça que nous autres, nous ne sommes pas arrachés vers ceux qui sont libérés de la sorcellerie. Non, non. Nous les comprenons. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que c'est la pratique là qu'on accepte, non. Nous voyons la personne comme victime de la sorcellerie. J'explique très bien. Parce que le petit dit, j'ai été initié à la sorcellerie. Claire, ça doit apaiser tout le monde. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui voulait être sorcier, ils l'ont contraint à être sorcier. Vous comprenez? Vous allez prendre la chicot, ça ne changera rien. Vous allez faire des choses, ça ne changera rien.
il n'a fait que jouer le rôle d'un sorcier. En envoûtant. Parce que quand tu es sorcier, tu dois envoûter, tu dois jouer. Tu joues ton rôle. C'est normal. C'est un vrai sorcier ce qu'il fait. Or, il est sorcier. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de le débarrasser de ce démon. Pour que lui-même ne soit pas sous l'emprise. Parce qu'il est sous l'emprise. On le contraint de donner papa, de donner maman. Il faut tuer. Il ne peut pas se défaire de ça. C'est plus fort que lui. C'est cela qu'on appelle la possession démoniaque. C'est donc qu'il est possédé. Quand il est possédé, il n'a plus de volonté. Or, l'Église a la capacité, le pouvoir de délivrer des gens. C'est ça le rôle de l'Église. C'est de délivrer les gens. Il ne faut pas faire des procès, des condamnés. Il faut délivrer les gens. C'est pour ça qu'après ses aveux, j'ai su qu'il était sincère. Je commence à parler des démons. Le démon attendait se manifester. Une fois les parties, c'est fini. Vous retrouvez quelqu'un qui est normal. Sa pensée sera clean. Il n'aura plus cette force de partir, de vivre une autre vie astrale, sortie de son corps. Non. Parce que ce qui est en lui est parti. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Vous savez qu'on prenait le temps de goûter un sorcier, venez. Amenez-le à l'état-major de la brigade dans le délivré. On m'a bien compris? Allez doucement avec les gens. Souvent, par moment, ne soyez pas trop méchants. Non, mais il ne joue que le roi d'un sorcier. C'est Dieu. C'est ça le sorcier. Maintenant, toi, tu as le pouvoir de le délivrer. En tant qu'église, tu as reçu le mandat. Ce n'est pas grâce seulement. Mais je vous ai donné le pouvoir à mon nom de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra venir. Et c'est une école. C'est une session de formation. Nous formons les gens à la démonologie. Comment délivrer les gens? Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui ne fait pas du bien. Il n'a jamais reçu Jésus. Les œuvres, c'est ça qui est le plus important. Les œuvres.
quand on a Christ en nous, on a envie de faire des œuvres. Des œuvres. Aider. Si ces œuvres ne t'accompagnent pas, tu deviens un problème. Quand tu tapes quelqu'un, il dit chérie, je t'aime. Et puis c'est tout. Tu lui dis un peu, là où tu manques. C'est pas au bout de l'œil. Allez, je t'aime, puis il y a un petit pain qui vient. C'est content. Tu prends tout ce que tu veux. Oui, il y a une petite fleur. Les blagues aiment les fleurs. Le riz t'a donné ça, on va acheter ça. Va donner ça aux autres. C'est Saint-Valentin, pleuche. Tiens. Inama. Tu as fait ces fleurs roses, mon gars. C'est pas dans notre culture. Pour envoyer banane, ça va prendre du. Mes fleurs. Oh, tu es content. Les blancs aiment ça. Ouh, ça peut les tuer, les blanches. Ça peut les tuer. Elle peut me dormir, ça. Non, déchire ça. Mâcher les fleurs. Mâcher. Ça me donne des fleurs. Je suis mouton, bien. Allez, allez. Le feu. Je maudis ta présence dans ce corps. Je maudis ta présence dans ce corps. Je dis, c'est que ta cuisine comme ça, t'es un milliardaire. Tu vas faire malin, hein? Faut chercher Dieu, tu vas avoir l'argent. Football là, ça donne l'argent. Ce qu'il dit là, ainsi par l'Éternel. Ça vient du ciel. Le message qui chante de t'apporter là. On va te laver. Mais ne pas oublier le ministère. On va nous apporter de l'argent. On va attraper les sorciers. Franchement, aidez-nous. Vous devez nous aider. Allez faire les raves dans les villages. Vous devez nous aider. Envoyez l'argent, on va travailler. Amen. Envoyez l'argent, on va travailler pour le Seigneur. Allez! Nous partons en Suède, envoyez-moi l'argent et les voitures. Voilà. On va faire les voitures partout. Voilà, attraper les sorciers dans les villages. Feu! Tu vas les lâcher. Au nom de Jésus. Donc c'est une lutte, vous voyez, le corps, l'esprit ne peut pas partir. Pourquoi? Parce qu'ils font plaisir à rester dans un corps, parce qu'ils travaillent. Ils utilisent pour faire des choses. Il va aller, vous. Donc c'est une lutte. La force du Saint-Esprit, c'est ça qui se passe à mettre du temps. Mais Dieu finira toujours par prendre le dessus. Amen.
Lève-le. Viens, lève-toi. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Est-ce qu'on peut acclamer? Oui. À ce nom aussi, l'estrade là. L'esprit est parti, c'est fini. Ça va? Ça va?